Mon cœur regarde quoi ce soir à la télé? Je sais pas, y'a quoi? Il y a un docu sur la 7. C'est sur quoi? Le sandwich. Le sandwich est un animal très docile. Il apparaît pendant une période souvent de septembre à juillet, mais peut être introuvable pendant plusieurs mois. Le sandwich évolue en fonction des saisons pour se perfectionner. Bof, t'as pas une série? Bah si, regarde, y'a Pulpe. Joseph! Jude! J'ai voulu déposer notre idée de bar à smoothie, mais Tom l'avait déjà fait avant nous. On s'est fait niquer. Quoi? T'inquiète pas, on va réussir à le reprendre. C'est notre concept, il ne nous piquera pas éternellement. Pas ultra convaincu. Et puis on me l'avait spoilé, donc du coup, t'en as pas une autre? Bah, il y a les flammes de l'amour, mais bon. Oh là là, Steven, mais que se passe-t-il? Allons, King Hurley, libérez-vous. Brandon n'en saura rien. Que vous êtes plutôt mignon. Super intéressant la soirée flamme de l'amour. Mais voilà, extrême relook. Alors là, Lucie, tu es dégueulasse, dégueulasse, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Au vu de cette garde-robe qui fait de toi un sombre boudin, la production de Extreme Relook a décidé de mettre beaucoup de blé pour refaire toute cette façade. Oui, Giovanni, je suis prête à changer de look. Ouais, coussi coussa, hein. Et puis j'avais oublié, aujourd'hui il y a le Sandwich Football Club. Oh non, pas encore ton foot. Mais c'est exceptionnel ce qui vient de se passer à l'instant dans le stade Bob Morane de Boulogne-sur-Yvonne. Un match exceptionnel, puissant, ultra intéressant et surtout jouissif. Ah, je dirais à l'un des plus beaux matchs actuellement de la saison. Effectivement, Johan, ce match était sensationnel et c'est grâce au Sandwich Football Club que nous avons le droit d'assister à ceci. Régis, qu'en pensez-vous? J'aime pas le foot. Régis, vous êtes payé pour parler de foot! Ce match était juste incroyable! Ce que vient de nous livrer l'Olympique Bulgare à Sciences, c'est juste exceptionnel. Non mais les infos, c'est bien les infos. Brenda, nous apprenons que l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, ils reviendront mardi. Mardi matin, nos équipes ont découvert que l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez Brandon pour lui serrer la pince. Mais comme il était parti, le petit prince a dit « Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. » Et en ce mercredi matin, des témoins affirment que l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince s'est ouvert les veines. Une nouvelle information vient de tomber, Brandon, le tueur en série de Boulogne-sur-Yvonne a encore frappé. Le cadavre d'une jeune femme a été retrouvé sans vie, étranglée, avec de la viande. D'après la première enquête, la victime serait une végane. C'est un comble! Sinon, nous retrouvons notre reporter sur place, Michael Cull. Est-ce que vous nous recevez, Michael? Et oui, effectivement, Brandon, je me trouve sur le quartier des affaires de Boulogne-sur-Yvonne, un quartier mondialement connu, notamment pour l'exportation de sandwich. Hein, le sandwich très très consommé par les habitants de la ville et certifié, validé par Booba. Booba, le petit ourson, le petit ours brun, bien entendu. Non, arrête les infos, c'est déprimant la plupart du temps. Je sais pas, sorcière. Mais dis-moi, Jamy, je me demandais... Pourquoi j'arrive pas à pécho? Mais c'est normal, Damien, puisque tu es dégueulasse! Oh putain, mais rendez-moi Fred! Ah? Moi, elle est pas convaincue, hein. Fais voir! Ah, ben voilà, y'a Pimp My Car! Welcome on Pimp My Ride! Welcome, Bobby! Welcome, yeah. Danton, yeah. What is your vehicle, Bobby? Oh, it's a $7 set! It's incredible! Guys! Arrêtez votre charabia, on est sur la version française là. Ok. Alors Bob, que se passe-t-il avec ce nouveau véhicule? Eh bien Michael, on a tout changé. Ah. Bah du coup ça marche moins bien. Pas ultra convaincu de la version française, hein. Mais voilà, il y a vachement en fourneau. Louise! Oui chef. Là tu vois, c'est le moment où je suis venu dans ton restaurant pour goûter ta merde. Ah, c'est de la merde, c'est vraiment de la grosse merde. Mais chef, on peut pas dire qu'on aime pas sans avoir goûté. Louise, viens, viens par là, viens. Ouais, ça a changé la télé, c'était mieux avant. Du coup, on regarde quoi? Ah, il est demi-deux de la télé-réalité!
Bon, ben moi, ça m'a saoulé. Ouais, c'est moi. Je regarde YouTube.